Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne, vous contribuez à la propagation de la véritable histoire africaine. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur toutes vos plateformes de manière continue. Sur vos statuts, stories et dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. Les Amazones du Dahomey. Ces femmes guerrières légendaires ont captivé l'imagination du public et ont été une source d'inspiration pour de nombreux réalisateurs et de cinéastes à travers le monde. Leur histoire incroyable de courage, de puissance et de dévouement a été adaptée à l'écran, donnant vie à leur héritage et perpétuant leur légende. Les Amazones du Dahomey. Également connues sous le nom de Mino, sont l'une des légendes les plus fascinantes de l'histoire africaine. Ces femmes guerrières du royaume du Dahomey, situées dans l'actuel Bénin, ont laissé une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire. À travers leur courage, leur discipline et leur dévotion, elles ont acquis une réputation de guerrières redoutables et de gardiennes inflexibles de leur royaume. L'origine des Amazones du Dahomey remonte au XVIIe siècle lorsque le royaume était dirigé par le roi Wegbadja. À cette époque, le Dahomey était très souvent attaqué par des tribus voisines et le roi décida de former une unité militaire exclusivement féminine pour protéger le royaume. Ainsi, les Amazones furent créées. Les femmes sélectionnées pour devenir des Amazones étaient choisies parmi les meilleures guerrières du royaume de Dahomey. Elles devaient faire preuve de force, de courage et de loyauté envers le roi. Les jeunes filles sélectionnées étaient soumises à un entraînement rigoureux où elles apprenaient des techniques de combat, de stratégie militaire, de maîtrise des armes et de discipline. Elles étaient également formées à la résistance à la douleur et à la volonté de se sacrifier pour le bien du royaume. Les Amazones du Dahomey étaient habillées de manière distinctive, portant des uniformes composés de jupes en pagne, de chemises et de coiffes en cuir. Elles étaient armées de fusils, de lances, de machettes et de couteaux. Leur formation et leur équipement en faisaient des combattantes redoutables, capables de rivaliser avec les armées masculines de l'époque. Ces femmes guerrières étaient également connues pour leur discipline et leur obéissance. Elles étaient organisées en régiments dirigés par des commandantes expérimentées. Chaque régiment avait sa propre hiérarchie et ses propres codes d'honneur. Les Amazones étaient tenues de respecter ces codes et de suivre les ordres de leurs supérieurs. Elles étaient prêtes à défendre leur roi jusqu'à la mort, faisant preuve d'un dévouement absolu envers leur royaume. Les Amazones du Dahomey étaient souvent engagées dans des combats contre les tribus voisines et les forces coloniales. Leur courage sur le champ de bataille était légendaire. Elles se distinguaient par leur habileté à manier les armes, leur résistance physique et leur ténacité. Même face à des adversaires supérieurs en nombre ou mieux équipés, elles faisaient preuve d'une détermination inébranlable. Les Amazones du Dahomey étaient des guerrières intrépides et redoutables dont la réputation au combat était légendaire. Elles se sont illustrées lors de nombreuses batailles, défendant avec bravoure et détermination leur royaume contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Voici certaines des batailles les plus mémorables auxquelles les Amazones du Dahomey ont participé. La bataille d'Abomey, 1727. La bataille d'Abomey est considérée comme l'une des premières batailles majeures auxquelles les Amazones du Dahomey ont participé. Sous le règne du roi Agadja, le royaume du Dahomey était attaqué par les royaumes voisins. Les Amazones se sont lancées vaillamment dans une bataille, utilisant leurs compétences en combat et leur détermination pour repousser les assaillants et protéger leur terre natale. La bataille de Cotonou, 1890. La bataille de Cotonou a marqué l'un des derniers affrontements majeurs des Amazones du Dahomey. À cette époque, le roi Béhanzin dirigeait le Dahomey et faisait face à l'expansion coloniale française. Les Amazones ont combattu avec férocité contre les forces françaises, utilisant leur expertise en guérilla et leur connaissance du terrain pour infliger des pertes considérables à l'ennemi. Bien que la bataille se soit soldée par la défaite du Dahomey, les Amazones ont résisté avec détermination inébranlable.
Bataille d'Adukanji, 1851. La bataille d'Adukanji est l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire des Amazones du Dahomey. Lorsque le royaume du Dahomey a été attaqué par une alliance de tribus voisines, les Amazones ont répondu à l'appel à la défense à leur royaume. Elles ont fait preuve d'une bravoure extraordinaire, repoussant les forces ennemies avec une force et une stratégie impressionnantes. Leur intervention décisive a permis de remporter une victoire cruciale pour le Dahomey. La bataille de Kana, 1864. La bataille de Kana a été un autre moment marquant pour les Amazones du Dahomey. Lorsque le Dahomey a été attaqué par les troupes du roi de Porto Novo, les Amazones ont montré une fois de plus leur bravoure et leur habitude au combat. Elles ont mené une contre-attaque audacieuse, repoussant l'ennemi avec détermination et infligeant de lourdes pertes. Leur participation à cette bataille a contribué à la défense et à la préservation du royaume du Dahomey. Ces batailles sont quelques exemples parmi tant d'autres où les Amazones du Dahomey ont démontré leur valeur et leur capacité à se battre avec courage. Cependant, les Amazones du Dahomey n'étaient pas seulement des guerrières. Elles jouaient également un rôle important dans la société dahoméenne. Elles étaient respectées en tant que gardiennes de la culture et de la tradition. Elles étaient chargées de maintenir l'ordre et de veiller sur la sécurité du royaume. Leur rôle était essentiellement protecteur et leur présence inspirait le respect et la crainte. Malheureusement, l'histoire des Amazones du Dahomey prit fin au 19e siècle avec l'arrivée des forces coloniales françaises. En 1890, le roi Béhanzin, dernier roi indépendant du Dahomey, fut capturé et exilé, marquant ainsi la fin de la résistance dahoméenne. Les Amazones furent dissoutes, mais leur héritage perdura. Aujourd'hui, l'héritage des Amazones du Dahomey est célébré au Bénin et à travers le monde. Elles symbolisent la force, la résilience et le pouvoir de la femme. Leur histoire rappelle que les femmes ont joué un rôle essentiel dans la défense de leur peuple et de leur culture. Les Amazones du Dahomey restent un exemple inspirant de femmes qui ont brisé les stéréotypes de genre et qui ont montré que les femmes sont tout aussi capables que les hommes sur le champ de bataille. Leur histoire nous rappelle l'importance de reconnaître et de célébrer les contributions de femmes dans l'histoire. De continuer également à lutter contre l'égalité de sexe. En conclusion, les Amazones du Dahomey étaient des femmes extraordinaires, des guerriers intrépides et des gardiennes dévouées de leur royaume. Leur héritage est un rappel puissant de la force et du courage des femmes et de leur capacité à se lever contre l'adversité. Les Amazones du Dahomey continueront à inspirer les générations futures en nous rappelant que le pouvoir et la bravoure n'ont pas de genre. Si vous avez aimé ces vidéos et souhaitez participer à leur production, continuez à les partager et n'oubliez pas de nous suivre sur TikTok et sur Facebook. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur Puissance Africaine.